Les survivantes de violences basées sur le genre éprouvent des difficultés pour accéder à la justice. Selon les données de l'étude Social Institutions and Gender Index, SIGI, au Burkina Faso, en 2018, la majorité des femmes ne faisaient pas recours à la justice pour régler leurs différends et 61% n'auraient pas confiance à l'impartialité des cours de justice. Sensibiliser et rapprocher la justice du justiciable par une audience foraine est une des stratégies retenues par l'Intervention Santé et Droits Sexuels et Reproductifs, SDSR, en collaboration avec la Direction Régionale du Genre et de la Famille du Centre-Est, ainsi que le Tribunal de Grande Instance de Koupéla pour la réparation des cas de violence basés sur le genre dans la commune de Dialgaï. L'objet, c'est de sensibiliser les leaders communautaires de la communauté de Dialgaï pour l'abandon des violences basées sur le genre. Quand c'est mieux ou mieux là-bas, bon, il y a comme pour le moment, wakat ning timi forum datan konsir ba, voilà, bon, wakat ning a, il y a comme bon là, on y a pas pour, comme bon là on y a pas, t'as la qualité na mojo, voilà, tiens les acquis aussi, tiens le mais, il y a ne veut rien ben genre ba, la bonne mère ba. Alors on a quel modèle? L'audience foraine vient d'abord comme une activité de prise en charge et en même temps une activité de prévention. Une activité de prévention parce que c'est une activité qui se tient en milieu public. Cette audience foraine va participer à rapprocher dans un premier temps la justice des populations. Et également, je pense que c'est une occasion pour la justice de se faire connaître donc davantage et effectivement de faire connaître les tests en matière de violence basée sur les genres. Les faits qui sont reprochés aux gens, en quoi ils consistent, les dispositions légales qui sont prévues en la matière et les sanctions justement dont les lois sont assorties pour réprimer ceux qui viole les dispositions légales pénales. Pour le dossier que nous avons jugé qui porte sur le viol, comme nous l'avons dit au cours de l'audience, la loi a prévu une peine d'emprisonnement de 7 ans à 10 ans pour le viol et une peine d'amende pour 600 000 francs à 2 millions de francs CFA. L'audience foraine a connu une forte mobilisation de toutes les catégories sociales de Dialgaï, ainsi que la participation des autorités administratives de la province du Kouritenga. À l'issue de cette audience foraine, des peines ont été retenues par le tribunal sur les cas jugés sur le viol et la pratique de l'excision. Pour le cas de viol sur mineur, le tribunal a condamné l'auteur à une peine d'emprisonnement de 4 ans, dont un enferme et une amende de 1 million de francs CFA avec sursis, ainsi qu'une somme de 100 000 francs CFA à reverser pour le préjudice. Pour le cas de l'excision, les coupables ont écopé d'une peine d'emprisonnement de 12 mois, dont 3 mois d'emprisonnement ferme, plus une amende de 500 000 francs avec sursis. Quant aux complices, elles ont écopé d'une peine d'emprisonnement de 12 mois, dont 5 mois d'emprisonnement ferme et d'une amende de 500 000 francs CFA avec sursis. Je pense que le public a entendu comment on juge les cas de viol, quelles sont, les peines encourues. Et je pense que c'est une audience qui a toute sa solennité et toute, sa dureté. Et je voudrais vraiment féliciter Monsieur le Président et les juges et Monsieur le Procureur, bien sûr le greffier qui était là, parce qu'ils ont été professionnels dans ce qu'ils ont fait. Ils ont dit le droit, ce que le droit a dit de ne pas faire. Voilà, je pense que le public très jeune d'ailleurs et qui a pratiquement l'âge de la victime va comprendre et intérioriser ce qui se passe. Ça peut arriver à tout le monde. Donc que chacun puisse vraiment tirer les conséquences dans son comportement de tous les jours pour être vraiment très correct les uns avec les autres dans ses relations interpersonnelles. On a son rôle.